Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Onna ma ke dodo. Mamadou Kindia ba. OK. Bon ko bo imedo hande ko jaw wonatana. Menen chauffeur be ben hande syndicat ben do be noddi men do réunion parce que election wo de vendredi. Bon onno election e vendredi on a un candidat mo men soubi parce que woowi me wo wa andu de election no wodi. Kambe bureau on ton yidata si mandat o lanni. Be nodda chef de ligne be mabbe ben be do recondisa bureau hara men anda. Nga al non Allah wala non andini ne. Jon non men tay be ala wadde kadi golle mabbe den sengo amen. Jon non election e juma on be noddi hande réunion woowi ko permis votata permis ƴettata permis ma simplement vote na syndicat djum fa Allah c'est de quoi chauffeur. Ma oyre jogi carte mécanicien. Hande be inni men do kadi woko jogibe ben carte membre CNTG chef de ligne mabbe ko be do kadi votata. Men inni marsata. Ko dum men moobi do men arrivé mo gol bureau. Sa yeyi ayi chauffeur be wino ma ferme. Awa yawde ndara to. A faami chef de ligne be go kan to. Joni non ko watte dum non. Be jogi do ka chauffeur be go illégalement kambe syndicat be. Woowi baawo do. Hadi go chauffeur jo sebi problème kanko e police jo. Ya no da syndicat yaltene. Joni ko syndicat be wona yedde chauffeur be jo na gardi ben nafa ko sirete. Ben onno ben non jogi sirete. On dum be do ko be yalla. Chauffeur be go. Har non ko illégal. Haray dum do piji din e ngaal men torike. Kala chauffeur be ko oni. Yo be wakilo be soote changement parce que me ala ida ke jamen Allah ma sadal sen on ma ke tan ndene me Mamadou Kindia ba so bon Allah be jojo ko son diga Allah dictature C'est la liste du gouvernement, c'est pas un syndicaliste transporteur. Donc là, les gens ont demandé un changement et déposé ma candidature. Il veut boycotter le dossier en disant qu'il veut aller aux élections avec son parti. D'accord, réellement, qu'est-ce que vous lui reprochez? Bon, moi, je veux dire tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est un corrupteur qui a longuement duré ici. Et aujourd'hui, lui, il ne peut pas faire une imposition dans la commune de Ratoma. En 10 ans, il n'aura pas un autre candidat si ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement aujourd'hui? J'ai appris. Selon les informations que j'ai reçues, il a boycotté mon dossier, disant qu'il va aller aux élections seul. Mais on apprend qu'il a incarcéré des gens. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Il a mis 18 personnes en prison. Il y a de cela un mois et quelques. Je suis en train de se battre pour le mettre en liberté. Dès que les gens portent des changements, ils les arrêtent. On le met en prison. Donc tout le monde est fatigué. Aujourd'hui, que comptez-vous faire? Bon, moi, en tant que logicien qui est transporteur, je suis là. Vigilance. En tant que candidat, qui est candidat contre le système, parce que le chauffeur guinéen souffre de quoi? Le chauffeur guinéen souffre de quoi? Aujourd'hui, chez lui qui n'a pas la maîtrise de la logistique, il ne peut pas faire ce métier-là et satisfaire hey, la population. Regarde ici. Regardez la caméra. Quels sont les problèmes des chauffeurs ici? Non, vous dites-nous quels sont. Vous êtes candidat ou bien? Oui, vous connaissez candidat. Pas les problèmes des non, chauffeurs. Non, d'accord, dites-nous quels sont les problèmes. Les chauffeurs vraiment se motivent massivement 10 ans sans moi, il n'y aura pas d'élection. D'accord, quels sont les problèmes des chauffeurs? Leur problème,
comme ils ont entendu que ma candidature a été exclue, c'est ça le problème. Qu'est-ce que toi tu pourras changer que lui il n'a pas fait? Moi en tant que logicien, je suis prêt à réformer le secteur. Si vous voyez aujourd'hui, par le passé, quand un chauffeur fait une infraction de 10 000 ou 15 000, là où on doit le pénaliser 10 000, 15 000, 20 000, on le verbalise 50 000, 100 000. Seule infraction, on peut vous dire que vous pouvez faire 3, 4 infractions. Ce n'est pas un rôle d'un syndicat. D'accord. Dites-moi réellement, quelles sont les difficultés des chauffeurs? Les difficultés du chauffeur, aujourd'hui, dans le parc ici, on le charge par favoritisme. Vous êtes chauffeur et vous venez, vous garez. Vous êtes priorité devant Paul. Si Paul est aimé par le monsieur, il le favorise devant vous. Ça, c'est un problème majeur. Quoi d'autre? Beaucoup, je ne peux pas compter tout. Comme les chauffeurs sont là, ils peuvent exprimer leurs problèmes. D'accord, le monsieur dont vous parlez là. Est-ce que vous connaissez des personnes? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont été victimes de cela? Oui, beaucoup même. Beaucoup même. Parce que quel est le monsieur dont vous parlez? Comment il s'appelle? Il s'appelle la GIA Valde.